The Cultural Miramar Center. Je suis super contente. Je voulais partager une petite vidéo avec vous pour vous montrer ce que je vais faire durant ce mois noir, le Black History Month, ici à Miramar Cultural Center. C'est une ville donc, qui est basée en Floride. Et le maire m'a invité, donc j'ai l'immense privilège d'être l'artiste invité donc, durant deux mois d'exposition. Alors évidemment, pendant tout ce mois, on va parler de l'histoire des Noirs, de ces personnes qui ont bâti en fait le pays, les Américains. Voilà, font énormément de manifestations autour de ça. Et je voulais vous faire visiter, je voulais vous montrer en fait mon exposition en avant-première, avant tout le monde. Et alors juste avant ça, je voudrais quand même, je sais pas comment vous dire ça, j'ai une petite pensée, une pensée profonde. Pour une personne qui m'a conseillé au début de cette aventure, il s'agit de Jean-Philippe Omotunde. Enfin, moi, je l'appelais Jean-Philippe, hein, pas le Kalala, Jean-Philippe Omotunde, que j'ai reçu dans les émissions depuis 2014 sur les antennes de Guadeloupe Première. Et en 2019, quand je me suis lancée dans cette aventure artistique avec beaucoup d'appréhension, faut dire, j'ai appelé Jean-Philippe et je lui ai dit. Voilà ce que j'ai envie de faire parce qu'il y a une vraie histoire, il y a de vrais traumatismes autour de nos cheveux naturels. Qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, Guylaine, vas-y, en plus tu es aux États-Unis, il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Donc, go, fonce. Et je me suis dit, voilà, Jean-Philippe, si tu es là-haut, tu as planté des graines et elles poussent. Donc merci, merci à toi et vraiment, voilà, je suis émue là parce que je pense à lui et je pense qu'il aurait été très content. Allez, venez me voir, je vais vous montrer donc l'exposition. L'exposition, donc voilà la salle qui est immense. Le truc qui est immense. Je n'ai jamais imaginé qu'ils auraient fait un truc comme ça. Donc sur ce mur là, il y a le Crown Act. Donc le Crown Act, c'est une loi aux États-Unis. Qui vise à lutter contre la discrimination au travail pour les gens qui ont des cheveux naturels, des locks, des tresses, etc. Donc voilà, quand on rentre là, on a tout de suite le Crown Act sur le black hair. Don't touch my hair, touche pas mes cheveux, pas moi ni chevet, moi. Voilà, là j'étais, vous voyez, c'est un de mes tableaux qui est grand. Alors quand j'ai vu ça hier, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer. Donc ici, vous avez ma bio que vous pouvez également lire en français sur mon site internet. Et puis, spécialement pour Miramar, en fait, pour cette manifestation Black History Month, j'ai fait ces quatre portraits sur du canevas. Hein. Vous voyez, c'est libre. Hein, c'est... Et voilà, donc, où je parle de l'histoire des lois qui entourent le cheveu naturel qui a été... bien maltraité durant toutes ces années. Donc les tresses, ça s'appelle Map to Freedom, les Bantous et le Tignolo. Alors Tignolo, c'est une loi qui a été votée pour imposer aux femmes noires de se couvrir les cheveux parce que ça dérangeait les maîtres blancs. La vision, voilà, il faut une vision de notre passé, voilà, pour regarder l'avenir. Là, c'est une autre série, trois tableaux, trois portraits. Donc Head Up, la tête haute, soyez fiers. Celle-ci, c'est Secret. Chut, laisse mes cheveux tranquilles. Et là, c'est Locks Me Alone. Voilà, be proud of your locks, your dread. Voilà, et puis bon, les autres, ça c'est la partie noir et blanc, vous connaissez certainement, que j'ai déjà montré en exhibition. Et le grand portrait que vous voyez là-haut, c'est celui-là, Imani. C'est celui qui représente la manifestation. Voilà, là c'est mon bordel parce que j'ai pas fini de des étiquettes. Yvan le Mar, tu es là. Voilà, Caraba, une qui plaît bien aussi. Ça c'est un tout dernier, c'est un monsieur, il s'appelle Adé. Voilà, Adé c'est un prince africain. Big Shop, elle, je trouve que les femmes qui se coupent les cheveux avant de faire la transition sont magnifiques. Et quand on... Voilà, passe de cheveux aux cheveux naturels. Quand on passe de cheveux, des frises aux cheveux naturels, on fait un big shop. Et ça, c'est ça. Voilà, bon, les autres, vous connaissez. Et This is my queen. Voilà, masterpiece. C'est l'une de mes préférées, évidemment, parce qu'elle est grande, elle est belle, je trouve. Voilà.
Voilà pour la petite visite. Ensuite, oui, celle-ci aussi, elle est très représentative. Je trouve qu'elle fait, ça fait très identitaire. Je sais pas. C'est un peu divinité, voilà. Donc on revient aux cheveux marrés, tête marrée, qu'on fait beaucoup chez nous et qu'on a embellis parce que c'est partie d'une loi pour soi-disant nous restreindre en fait dans nos libertés, mais finalement on en a fait quelque chose de très beau. Voilà, NJ. Ça c'était la transition parce que je faisais beaucoup de tableaux en noir et blanc comme vous voyez et quand je suis passée à la couleur, je fais moitié noir et blanc, moitié. Et quand on parle de transition aussi dans les cheveux naturels, donc voilà, ceci, ça représente la transition. I saw red, j'ai vu rouge. Voilà, et là, c'est naturel. Voilà, ça représente la nature et les cheveux, la tête chauve, encore une fois, ça représentait les cheveux abîmés par les produits toxiques. Voilà, et on termine par ce jeune homme que j'ai appelé Greg. Voilà, en tout cas. Merci, je voulais vous faire une petite visite parce que certains m'ont demandé. À très bientôt, je ne sais même pas quoi vous dire. À très bientôt, merci.